salut tout le monde, c'est reparti pour un Plant vs Zombie. On continue et cette fois-ci on tabasse du Yeti dans cette vidéo. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous incite très fortement à vous abonner à la bande à pixels, à activer les petites notifs, à mettre un like, un commentaire, enfin plein de trucs cool. Et tout de suite, on démarre la vidéo. Allez, c'est parti, donc cette fois-ci on va voir un petit gland. Et il n'y a pas de jeu de mots moisi, arrêtez de vous foutre de moi. C'est juste que les héros, cette fois-ci, sont des glands. On n'y peut rien, c'est comme ça. Cette fois-ci, on va essayer de trouver la breloque du Yeti. Avec donc cette quête qui s'appelle Mon Trésor. Allez, on est parti de suite. Bah, le mec se présente, c'est le soldat glandu. Donc gros travail des auteurs ici. Les mecs se font juste plaisir, au final c'est ça qui est assez rigolo là-dessus. Donc on est parti, cette fois-ci on va explorer plutôt un côté plage sur la map. Vous allez voir, c'est assez... Enfin, je viens d'arriver dans la vidéo dessus, c'est assez joli. Donc là, je vais vous la montrer vraiment sur la vidéo. Voilà, on y est. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours des petits coffres à faire. Avec des pièces, des tacos, toujours tout ce qui va bien. Alors, comme je vous disais dans la précédente vidéo, donc j'ai changé de personnage. Hein, c'est plus le lanceur de graines, là. Maintenant, c'est une sorte de bourrin maïs. Et c'est pas mal, puisqu'il a une mitraillette. Je trouve qu'il fait plus de dégâts... Il est plus bourrin au corps à corps, ce qui correspond un peu plus à ma façon de jouer. Voilà, moi je suis sur ce jeu de un peu réflexe, je suis plutôt bourrin. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui canarde bien. Et puis il a un chargeur très lourd. Ça, c'est quoi ce truc là? Personnage flèche bleue, ça voudrait dire qu'on a trouvé le petit gland. Mon ami gland. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Où est le panneau de commande? Aucune idée. Peut-être par là ou pas? Ah, une petite cinématique. Ah, bah c'est... Voilà, le petit Yeti bling bling, là. Il se la raconte, on dirait. Ça me fait trop rire. C'est vraiment tout le temps décalé. Le Yeti a le panneau de commande du piège à Boogie. D'accord, donc il faut qu'on batte le boss. Alors, comme d'habitude, la recette de Plantes vs Zombies, c'est de faire des boss en plusieurs parties. C'est marrant, il marche comme un mec super discret. Il joue à cache-cache, en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est les petits morceaux de beurre, là, en fait. Bam, ça fait mal. Ouais, ça enlève pas mal de vie, c'est pas mal. Hop, il s'est planqué. Éliminer le Yeti. Donc voilà, première étape du boss terminée. Utiliser... Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est pour désarmer les pièges à Boogie. Alors dans le jeu, c'est ça qui est marrant. Là, apparemment, sur cette partie du jeu, t'as un piège... Les mecs sont obligés de danser en fait. Ah, ils groovent à fond. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, attends. Ah, c'est ça qui est devant moi. Il faut que j'utilise ce truc. Comment on fait? C'est naze, ça marche pas. Oh putain, je m'en sors pas les gars, au secours. Ah mais j'ai oublié mon petit truc, forcément. Si j'oublie mon petit désamorceur là. Voilà. Là ça marche, et ensuite sauver le premier gland. Bah, normalement il est sauvé là, non? C'est quoi ce truc? Ah, il a des points de vie, donc il faut détruire ce truc, d'accord. Et là tu sauves le perso, d'accord. Tout simplement, protéger. D'accord, donc tout de suite après t'as une attaque. Ah oui, c'est carrément bourrin là, il se fait carrément attaquer le petit. Ah oui, il se fait massacrer là-bas. Il y a toujours de la vie ou pas? Je vois pas du tout ses points de vie. Je suppose que oui. Ah, il se défend aussi. Ah, ça va. Pas très très compliqué. Voilà, pour la première partie, vous avez réussi. Bah, je vous récupère juste après. Je vais aller trouver le prochain gland. Et voilà, donc c'est une mission. Qui est donc... Ouais, c'est pas dur, hein. On suit les radars. Et donc on arrive sur ce fameux personnage piégé, donc avec des attaques à gérer. Alors voilà, je suppose que vous avez compris un peu le principe, c'est pour ça que je vais pas faire tout le jeu, je pense, hein, sur Plantes vs Zombies. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu, visuellement, c'est joli, ça fonctionne bien. Après, je trouve ça hyper répétitif, c'est vraiment toujours pareil. Mais bon... Les ennemis évoluent, la difficulté aussi, le type de décor pour l'instant c'est pareil, ça change un peu, c'est marrant. Hop, une petite bombe. Donc pourquoi pas?
pourquoi pas vous faire tout le jeu si vous avez envie. En tout cas, voilà, c'est gratuit encore jusque. Enfin, c'était gratuit tout le mois d'août 2021. Là, il vous reste pas beaucoup de temps parce que je crois qu'on va s'approcher dangereusement de la rentrée. Donc, il vous reste quelques jours pour le prendre. En tout cas, voilà, c'est une expérience de PlayStation, PlayStation Store, PlayStation Plus en tout cas pour les abonnés. Et sur PlayStation 4, donc sur le 5, je crois que c'est d'autres jeux à vérifier. Tiens, le Yeti, il est juste derrière. Donc voilà, on va encore faire cette mission tous ensemble. Et après, on basculera sur un autre jeu ensemble. Je vous laisserai vérifier les playlists sur la bande à pixels. Il est où? Ah, mais je l'ai battu. Récupérer le panneau de commande. D'accord, c'est. Ah oui, c'est marrant. Donc le boss, vraiment comme d'habitude, est coupé en plusieurs parties. Je le disais tout à l'heure. En fait, il suffit de lui limer petit à petit toute sa barre de vie jusqu'à ce qu'il soit complètement fumé. Et encore une fois, le boss, le piège à Boogie qui va péter. Voilà. Alors même principe, on a sauvé le petit perso. Il reste encore un compagnon. Bah voilà, donc je vais explorer un peu la map. Et puis je vais aller trouver le prochain petit perso à sauver. Donc pour terminer cet objectif. Bon, je crois que je l'ai trouvé l'appât brillant. Je pense que je vais trouver le petit personnage dans un peu de temps. Mais du coup, je me suis approché d'un truc qui... Oh, c'est méchant. En fait, oh, c'est pas cool ça. Oh, c'est pas cool les gros tonneaux de dynamite. En fait... Mais c'est quoi ces trucs là? En fait, c'est un piège. Un appât brillant. C'était un truc qui était indiqué. Donc là, ça me dit quoi? Le capteur, il dit l'autre côté. Et hop, je me déplace. Ah, mais c'est là. Creuser ici. Donc j'ai trouvé le dernier petit gland. On a une superbe botte. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est l'appât, apparemment. Alors, belle trouvaille. Poser ça à côté de la statue de crabe. Nanana. Et on attire le Yeti. Il faut placer l'appât. Il y a encore une fois le petit truc, enfin le petit indicateur qui nous dit... Ah ouais, on n'est pas tout seul. Oh, je me fais massacrer dans mon dos. Donc là, ça c'est fait. Bah, je me massacre. Super boulot, Yeti de retour. Allez, c'est parti. Voilà, apparemment... Ouais, j'ai bien... Oh là, je me suis gavé. J'ai bien fait d'esquiver. Non, je ne suis pas gavé, en fait. Alors, vous avez vu, quand vous lui balance, quand vous êtes trop près de lui... vous balance une sorte de truc de glace qui vous ralentit. Voilà, vous avez vu, il y a une vague de froid. En fait, ça vous fait vous empêcher de... Oh merde. Vous empêcher de bouger. Et au niveau des PV, bon, il est un peu perdu là, il est presque à la moitié. Je vais le traquer. Bam. Bam. Allez, plus de la moitié. Ah ouais, là, ça fait mal. J'étais à bout portant quasiment. Oh. Ah, le petit triangle. Oh, y en a un, il fait trop mal de perso là. Je sais pas où il est le mec. Je me suis fait déchiqueter. Il est là sur la droite. Non, c'est pas lui. Il y a un autre perso qui fait super mal, je sais pas où il est. Ouais, ça descend, ça descend, ça descend. Le combat est long. Les cerveaux sont pesantes aux cacahuètes comme on dit. Ça y est, prochaine étape finie. Vous avez réussi, maintenant utilisez le panneau de commande, bah, comme d'habitude, hein, pour le sauver le groove. Donc normalement, la prochaine mission, sauver le dernier gland. Allez, on y va. Bah, il est là, le dernier petit gland. Alors on fait quoi? Voilà, ça s'active, on le défonce. Donc je pensais avoir trouvé le dernier gland, mais non, on peut trouver l'appât et ensuite on sauve le petit dernier. Et c'est parti pour une vague. Il y a la tête qui tourne, il faut l'aider. Bon, d'accord. Donc là, en gros, vous tenez une position, vous suivez le gars. Ah oui, non, il fait n'importe quoi. D'accord. C'est un peu comme la tondeuse au début. C'est-à-dire que vous suivez. Votre objectif est en mouvement. Ah, mais il se fait attaquer. Bon, apparemment, le perso peut pas mourir. J'ai pas l'impression qu'il ait des points de vie. En tout cas, nous, il faut bien qu'on le suive pour. Escorter jusqu'au bout. Le truc se fait tout péter au visage, mais il meurt pas, tu sais, en fait. Je pense que tu peux pas perdre dans ce jeu, en fait. La vie
fait un game over, mais c'est pas très très dur. Alors, il va jusqu'où, lui? Ah, bah voilà. Parce qu'à la petite boutique, le soldat glandu, donc mes amis sont de retour, vous avez trouvé votre breloque. Où est le Yeti? Et là, cinématique. Ah bah voilà, c'est le boss final. Oh, ça chante, on dirait les mecs de montagne, tu sais. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous préparent un spécial. Oh. Ah oui, ils ont un gros copain. Et lui chante fort. C'est peut-être une cinématique pour le battre directement. Eh ben il est battu. Mon trésor, donc c'est terminé. Le boss est battu. J'ai donc la breloque cool. C'est donc la fin de cette grande première partie de Plantes versus Zombies. Alors très honnêtement, moi je pense avoir fait un petit peu le tour du jeu. Je sais pas si on continuera au niveau de la chaîne sur ces vidéos là. En tout cas voilà, je voulais vous montrer les premiers chapitres. Il y a juste à faire ensuite la tondeuse. Je suppose qu'on doit assembler les éléments et continuer l'objectif pour entrer dans la petite boîte de nuit. Puisque regardez, j'ai l'hallucinateur. Il n'y a plus qu'à passer voir le... voilà, aller activer quelque chose pour aller justement exploser le videur qui nous empêchait de passer. Voilà, en gros, vous avez compris le principe. Donc, des missions, toujours un côté cartoon, beaucoup de couleurs et de choses très sympas, beaucoup d'actions aussi. Un peu répétitif à mon goût. Je pense que voilà, le Plant vs Zombie, c'est aussi un jeu qui se prend pas la tête et du coup qui fonctionne bien sur le côté fun. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. C'était Marty et je vous dis bon jeu. Salut à tous.